OK, j'ai presque terminé ma recette pour ce soir, mais là, je viens de me rendre compte qu'il me manque un ingrédient. Fait que tant qu'à prendre mon auto pour aller le chercher, j'ai décidé de vous parler de ma conduite. Quand j'arrive sur mon écran d'accueil, je vois tout de suite ma preuve d'assurance, ma facturation et l'endroit où je peux gérer mes sinistres. Ensuite, je vois que je participe à ma conduite parce que mes fonctionnalités à valeur ajoutée sont activées, donc l'assistance collision, l'entretien auto, puis les alertes météo. Ensuite, je vois tout ce qui est couvert, donc mes autos, ma maison, puis tout en bas, je peux facilement communiquer avec mon représentant. Quand j'arrive sur l'icône assistance, je peux facilement voir où mon auto est stationnée, je peux obtenir de l'assistance routière, puis je peux facilement remplir un constat à l'amiable. Tout au centre en bas, c'est ma conduite, mais avant de peser sur l'icône, je vais vous en parler plus en détail. Le programme ajuste ma prime à mon utilisation réelle. J'arrête de payer pour les autres, je paie pour mon propre style de conduite. Puis moi, je me dis qu'il n'y a rien qui m'empêche d'être la meilleure conductrice du Québec, puis ça me force vraiment à m'améliorer. Chaque trajet est principalement évalué sur mon respect des limites de vitesse, ma fluidité et ma vigilance. Bon, le respect des limites de vitesse, c'est relativement simple à comprendre. La fluidité mesure mes accélérations, mes virages et mes freinages. La vigilance, c'est l'utilisation de mon téléphone pendant que je conduis. Faut savoir que l'appli est intelligente. Elle contextualise chaque événement pour que l'impact sur la prime personnalisée soit pondéré en fonction de la gravité et de la durée. Et voilà, je viens d'arriver dans le stationnement du magasin, je vais chercher mon ingrédient secret et je reviens. J'ai ma sauce piquante! Là, tu vas te dire, qu'est-ce que ça vient faire de la sauce piquante dans un brownies? Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est comme ma conduite. Une fois que tu y goûtes, tu te dis, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mes trajets sont enregistrés automatiquement. L'appli reconnaît si je suis derrière le volant ou non, sans que je lui dise. Et si un passager utilise mon téléphone pendant que je conduis, je peux facilement le spécifier une fois arrivé à destination. Il y a des nouveautés qui ont été ajoutées récemment, comme l'éco-conduite qui me donne des trucs pour m'aider à réduire mes émissions de CO2 et la consommation d'essence qui m'aide à économiser. Ça, c'est en plus des fonctionnalités super pratiques comme l'assistance collision qui m'offre rapidement l'aide dont j'ai besoin en cas d'accident, comme appeler les services d'urgence. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ma conduite, on va aller voir ma performance. Ici, j'ai accès à tous mes trajets. Puis on voit qu'à l'aller, comme pour le retour, j'ai obtenu mes 3 badges de vitesse, fluidité et vigilance. Mais moi, c'est la section « Vos trajets comptent » qui m'intéresse particulièrement parce que c'est là où on explique c'est quoi une prime personnalisée. On voit que 3/4 de ma prime est basée sur les facteurs standards, facteurs qui s'appliquent à tout le monde. Donc, mon âge, mon véhicule, mon lieu de résidence et ainsi de suite. Où j'ai du contrôle, c'est sur le quart restant qui sont mes habitudes de conduite. À la toute fin, on voit la jauge qui me permet de comprendre quel impact ma conduite pourrait avoir sur mon renouvellement. Moi, je me situe dans le milieu du verre, ce qui veut dire qu'il y a toujours place à amélioration, mais qu'en théorie, ma conduite devrait avoir un impact positif sur ma prime. Et ce qui me motive, c'est que mon chum performe mieux que moi, puis ça, je peux pas laisser ça passer. C'est ça ma conduite, un programme super simple, transparent, qui m'aide à mieux conduire et ultimement qui me permet de payer une prime juste pour moi. Mes invités arrivent, mes brownies sont prêts, j'y retourne.